qu'il y a des locataires qui se démènent et qui ont compris qu'ils doivent faire l'impossible pour Dieu. Et ils le font. Et le Seigneur se souvient toujours d'eux. Il y a des gens qui habitent à police. Comment on appelle le quartier là? Police des frontières. J'ai été là la fois passée, mais j'étais perdu. Je pensais que je suis à Nairobi, j'étais perdu. C'est comme si là on est en train de distribuer les tôles, les matériaux de construction. Mais si vous passez de l'autre côté à Soukissade, de l'autre côté, il y a une très grande distinction. Distinction. Une ligne de démarcation entre les gens de la police des frontières et les gens de Soukissade des États. Et nous, là, qui habitons la police des frontières, est-ce que ce que nous donnons à Dieu, ça nous ressemble vraiment? Est-ce que ça nous ressemble? Il y a des gens qui habitent dans des maisons en dur et les autres dans des maisons en semi-durable. Nous voyons, et Dieu voit aussi, et nous sommes conscients. Est-ce que ce que nous donnons là, est-ce que ça nous ressemble d'abord, nous les gens qui habitons dans les matériaux graves? Jacob, c'est des souvenirs qu'il doit faire quelque chose pour les rois des rois, mais quelque chose qui les ressemblait. Et il a encore fait une autre chose au verset 12. Vous allez nous aider à lire ça. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 43. Nous sommes au verset 12 maintenant. Qu'est-ce que Jacob a fait encore? Prenez le double d'argent avec vous. Jacob a demandé à ses enfants, prenez le double d'argent avec vous. En d'autres termes, maintenant vous allez en Égypte. Vous allez chercher à manger et vous allez acheter. Donc, si quelque chose coûtait 1 dollar, vous allez acheter à 2 dollars de l'autre côté. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, prenez le double du montant qu'on achète là-bas. Donc, si c'était à 1 dollar, quand vous allez là-bas, vous allez acheter les histoires à 2 dollars au lieu de 1 dollar. Quel sacrifice! Aviez-vous déjà vu un client? Un client, pas même les vendeurs, c'est les clients maintenant qui fixent le prix de la marchandise. En d'autres mots, hein. Donc je vais acheter une chemise. Et je me dis, la chemise ici, je vais acheter ça à 20 dollars. Et vous allez à la boutique, on vous dit la chemise c'est combien? C'est 10 dollars. Et vous vous dites, je vais acheter ça à 20 dollars. Ça s'est fait dans quel monde? Mais ça s'est fait ici. Ça s'est fait ici. Ça s'est fait ici, ça s'est fait. Dieu nous visite, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai eu le temps de parler avec les déplacés qui sont avec nous ici. Il y a un déplacé qui vient ici. Il a dit, basta, j'ai vendu ma poule à 1 dollar. J'ai vendu ma poule à 1 dollar, les gens de vous.